Le 24 à 6 heures du matin, nous avons tout à coup été réveillés par des avions. Et à ce moment-là, il y a eu hésitation entre joie et peur. Et à 6 heures top, les lumières sont devenues vertes. Et alors, on a sauté. J'ai vu le parachutiste, c'est là qui descend, comme par la pluie. Et alors tout à coup, des rebelles sont arrivés dans nos appartements et nous ont dit « Allez, sortez tous !» Mais là, c'est l'horreur qui a commencé. Et en ouvrant les yeux, j'ai vu autour de moi les corps par terre, ceux qui avaient été tués. Donc on est arrivé, comme on dit, un chouïa trop tard. De se retrouver tout seul comme ça, on aurait voulu être mort, hein. Je crois qu'on a sauvé 1500, à peu près 1500 Européens. Cette mission humanitaire était une réussite et pour eux, c'était vraiment une libération extraordinaire. Il y avait une mission avec un objectif et pas plusieurs objectifs. Et ceux qui ont pris cette décision ont assumé les conséquences de cette décision. 24 novembre 1964, 6 heures du matin. Ce jour-là, 546 paracommandos belges s'apprêtent à mener la plus grande opération humanitaire de notre histoire. Libérer plus de 1500 Européens, belges pour la plupart. Des otages retenus à Stanleyville, l'ancien nom de Kisangani, dans le nord-est du Congo. Nous sommes en pleine guerre froide. Pour les paras, l'intervention est plus que périlleuse. C'est un véritable saut dans l'inconnu en plein cœur de l'Afrique. Mais pour les otages belges, c'est surtout la mission de la dernière chance. Leur vie en dépend. Une aventure à couper le souffle, un sujet de Bernard Balto et Michel Metz. Souvenez-vous, le 30 juin 1960, c'est le début de l'indépendance pour le Congo. C'est aussi le début de troubles aussi variés qu'incessants aux quatre coins du pays. Querelles ethniques, sécession, effondrement de l'administration, crise constitutionnelle et autres mutineries dans l'armée. En 1964, cela fait donc déjà 4 années de chaos pour le jeune État indépendant. En janvier, une rébellion conduite par Pierre Moulélé secoue la province du Kwilu. 3 mois plus tard, des troubles éclatent au sud de Bukavu. Le 15 mai, des rebelles appelés Simba, ce qui veut dire lion, s'emparent de la ville d'Uvira, à l'est du Congo. Ils progressent rapidement vers le nord avec en ligne de mire Stanleyville, Stan pour les initiés, capitale de la province orientale. À cette époque, le nouveau premier ministre congolais s'appelle Moïse Tshombe. En juillet 64, il se rend à Stanleyville pour plaider la réconciliation nationale. Il va même déposer des fleurs devant le monument dédié à son ancien ennemi, Patrice Lumumba, assassiné 3 ans plus tôt. Mais les efforts de Tshombe sont vains. L'atmosphère devient lourde. Un diplomate belge de 28 ans, Patrick Nothomb, jusque-là en poste à Léopoldville, est envoyé sur place début août 64. Sa mission, organiser l'évacuation des Belges qui le souhaitent. J'avais le pressentiment que j'allais vivre une aventure, mais je n'avais pas le pressentiment que nous allions être otages, ni que cette aventure allait durer aussi longtemps. Il faut bien dire qu'à l'époque, j'étais un petit snotneux de 28 ans que personne ne connaissait sur place. Je n'avais qu'une expérience très limitée du Congo, et j'avais affaire à Stanleyville, à la population peut-être de Belges les moins riches du Congo, mais peut-être aussi les plus courageux. Et par conséquent, les Belges et les autres étrangers vivant à Stanleyville se disaient « Nous allons vivre des moments difficiles, mais nous ne risquons pas notre vie. » Alors qu'un petit jeune inconnu vienne leur dire vous devez fuir, les femmes et les enfants doivent partir », évidemment, j'avais très peu de crédibilité. Néanmoins, toutes les femmes et tous les enfants qui ont voulu partir sont partis. Les derniers avions sont partis d'évacuation que j'ai appelé dès le 3 août, sont partis à moitié vide. À moitié vide parce que les Belges de Stan ne voulaient pas quitter tout ce qu'ils avaient bâti sur place. Leur famille, leur commerce souvent. C'était le cas du couple Penef et de leurs 2 petites filles, Brigitte et Isabelle. Je me souviens que maman était inquiète, elle écoutait la radio. Le soir, elle était très attentive à la radio et c'était le silence à la maison. On devait respecter ça, quoi. Quand les premiers troubles éclatent en 1964, est-ce que vous vous souvenez de la réaction de vos parents? Oui, je crois que même à l'âge que j'avais à ce moment-là, on a perçu une angoisse, une inquiétude qu'ils ont eu assez tard, me semble-t-il, puisque beaucoup de Belges avaient rapatrié leurs enfants, mes parents pas. Pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Ils nous l'ont dit après, parce qu'ils n'ont pas cru que ça allait dégénérer. Ils étaient chez eux, il n'y avait pas de famille en Belgique.
toute la famille se trouvait là-bas. Papa étant né là-bas, ils se sont mariés là-bas, je suis née là-bas, donc leur vie était là. Mais les choses dégénèrent rapidement. L'armée nationale congolaise, l'ANC, commandée par un certain Mobutu, n'offre pratiquement aucune résistance au Simba qui se rapproche dangereusement de Stanleyville. Le 4 août, en fin d'après-midi, ils entrent dans Stan. La ville est prise en quelques heures. Les Simbas sont pourtant peu nombreux et mal armés, mais drogués au chanvre, ils se croient invulnérables. On n'a jamais cru qu'ils arriveraient. C'est plutôt ça qu'il faut dire. Étant donné que les autorités étaient rassurantes, disant que l'armée va les arrêter, etc. Donc moi, franchement, je n'ai jamais cru qu'ils pouvaient rentrer en ville. Ça a été pour moi une surprise. Et pour vous, madame ? Oh, j'ai passé même pas. J'ai dit, bof, ça va finir là-bas, ça va pas arriver ici, il y a des militaires, ils vont défendre la ville. On croyait pas. Non, en fait, c'était une surprise générale. Quel souvenir est-ce que vous gardez de l'arrivée des rebelles à Stanleyville le 4 août ? Un souvenir absolument extraordinaire. J'ai vu les camions de l'armée légale partir au combat vers l'endroit d'où venaient les rebelles, partir au combat en marche arrière, pour fuir le plus rapidement possible dès l'arrivée des rebelles. Ils n'ont pas du tout combattu ? Ils n'ont pas du tout combattu. L'armée légale congolaise n'était plus payée depuis longtemps, si bien qu'elle fouillait, elle ne voulait pas risquer sa vie contre les rebelles. D'autre part, la légende était que si quelqu'un tirait contre les rebelles, la balle ricochait sur le corps du rebelle et revenait tuer le tireur. Et beaucoup de monde y croyait ? Ah oui, ça, l'armée congolaise légale y croyait. Si bien que tous les soldats de l'armée congolaise tiraient en l'air, et ce qui fait qu'aucun rebelle n'était tué et que les rebelles, plus que jamais, étaient persuadés qu'ils étaient invulnérables. Et ça, c'était une invention absolument géniale, et l'on a toujours soupçonné des Chinois d'avoir éduqué en ce sens l'armée rebelle. Ils étaient habillés un peu n'importe comment. L'un avait les ceinturons, l'autre avait les guêtres, un avait les bérets. Et au point de vue armes, c'était soit arc, flèche, des faux fusils. C'était rien. C'était deux escouades de 12 personnes emplumées, avec armées de bâtons. Et en criant « Maï, maï, moulélé, l'eau de moulélé nous protège », etc. Et effectivement, ces 24, ces 25 personnes ont pris la ville de Stanleyville. Mais par la suite, je sais qu'au camp Kétélé, qui se trouvait 2 kilomètres plus en arrière, il y avait 2000 soldats rebelles qui étaient prêts à intervenir avec des vraies armes au cas où c'eût été nécessaire. On a dit qu'il y avait beaucoup d'enfants dans cette armée. Je n'ai pas vu d'enfants ce jour-là, mais par la suite, j'en ai vu. Je puis vous dire que j'ai, au cours des 111 jours que nous avons passés à Stanleyville, il m'est arrivé de devoir négocier avec des enfants de 9 ou 10 ans, armés de vrais fusils avec de vraies balles. Et le thème de la négociation, c'était « Tu n'as pas intérêt à nous tuer, ça ne t'apportera aucun avantage ». Et je peux vous dire que c'était des négociations difficiles. Ils avaient l'habitude, pour certains, de défiler en ville, hein, en chantant. Il dit, à très jeunesse, Congo il était perdu, maintenant il est de retour. La progression des Simba est fulgurante. Le gouvernement congolais est désemparé et l'inquiétude grandit chez ses principaux alliés, la Belgique et les États-Unis. En pleine guerre froide, les Occidentaux soupçonnent les communistes chinois de tirer les ficelles de cette révolte. Les chefs rebelles démentent, à commencer par celui qui s'est autoproclamé président de la nouvelle République populaire du Congo, Christophe Gbenié. C'est inutile de dire que nous sommes communistes ou pas. Nous sommes des nationalistes. Nous voulons travailler pour ce pays, pour notre pays, sauver notre indépendance et collaborer avec n'importe qui du monde. Voilà, ça c'est une armée saisie des mains des soldats de Mobutu, des agresseurs, donc les ennemis du peuple congolais. Et c'est une armée américaine que la force populaire a saisie. Vous vous considérez comme l'héritier et comme le vengeur de Patrice Lumumba. Comment est-ce que vous allez continuer sa politique ?
Non, nous sommes les continuateurs de l'œuvre de Patrice Lumumba. Nous ne sommes pas des vengeurs. Parce que quand on fait la politique de vengeance, c'est une politique d'extermination. Et nous ne sommes pas ici pour exterminer les ennemis de Patrice Lumumba. Mais nous sommes ici pour lutter contre le régime qui fait la honte de notre Congo. Autre grande figure de la rébellion, Nicolas Olenga. C'est le général en chef de l'armée rebelle et le nouveau maître du jeu à Stanleyville. Au départ, les Simba ne semblent pas anti-blancs. Mais dès l'arrivée de ces rebelles à Stan, Belges et Américains comprennent une chose, ils sont otages. Le général Olenga le confirme sans détour à Patrick Nothomb dès leur première rencontre. Nous avons engagé la conversation et finalement il m'a dit, eh bien écoutez, à partir de maintenant, nous vous gardons ici à Stanleyville jusqu'au jour où nous aurons conquis tout le Congo et à ce moment-là, vous serez libre. Alors je lui ai dit, cela veut dire que nous sommes otages. Oui, oui, vous êtes otage, mais ne vous en faites pas, vous serez admirablement protégé et votre vie sera très agréable. Voilà le début de l'aventure. Est-ce que dès le départ, vous ressentez qu'ils sont anti-blancs ? Non, non, du tout. Non, parce qu'ils avaient dit, cette guerre, c'est entre nous les Noirs. Les Blancs, qui ne nous ont pas aimés, ils ont fui à 60, pendant l'indépendance. Ceux qui sont restés, ceux qui nous aiment bien et ils veulent travailler avec nous. Alors, tu ne pouvais pas toucher un seul blanc. Un qui touchait un seul blanc, il n'y avait pas de jugement, on était tué sur place. Le combat n'était pas un combat entre Belges et Congolais ou entre étrangers et Congolais. C'était un combat entre Congolais. Et par conséquent, nous étions spectateurs, nous étions absolument neutres. Il nous pouvait nous sembler que les rebelles étaient sympathiques vis-à-vis de la Belgique. Mais évidemment, cette bonne nouvelle n'a pas duré longtemps parce que très rapidement, les soldats rebelles ont commis des exactions, ont battu des gens, ont commis des pillages, etc. Les dirigeants de l'armée rebelle au départ ont certainement essayé de nous protéger, mais eux-mêmes y parvenaient très, très difficilement. Mais de toute façon, nous étions otages et quand on est otage, on est en danger de mort. Ça, il n'y a rien à faire. Les otages blancs savent donc que la situation est critique. Mais les premières victimes des Simba sont les Congolais. Pour tous ceux qui sont même indirectement liés au gouvernement central de Léopoldville, l'issue sera effroyable. Des massacres sont organisés en public et pas n'importe où, devant le monument Lumumba, tout un symbole. Tous les gens qui de près ou de loin avaient touché au pouvoir précédent étaient kidnappés et massacrés sur le champ. Pendant les premiers jours, des cadavres jonchaient le sol absolument partout. Ceux qui n'ont pas fui, je t'ai tué. Directement ? Ah bah oui. Chaque fois quand on devait tuer quelqu'un, la population, je t'ai invité pour assister à ça. Ou bien on te coupe d'abord les mains, les jambes, on te laisse comme ça. En public ? Ah, oui. Et alors on demandait, il était gentil ? Non ! On peut les tuer, oui. Et puis il y avait un monsieur qui était là, il ouvrait le torse, il sortait les cœurs, il mangeait sous place. Mais la majorité de la population ne cautionnait pas ces pratiques. Je pense que, à mon avis, il y avait une bonne partie de la population qui était pour la rébellion, contre le gouvernement central. Mais de là à cautionner ce qui se passait, non. Que se passe-t-il en Belgique à ce moment-là ? Que sait-on ? Chez nous, on commence à prendre la mesure réelle du danger que courent nos compatriotes présents au Congo, et ce d'autant qu'on n'a plus aucune nouvelle d'eux. Paul-Henri Spaak, alors ministre des Affaires étrangères, espère toujours une solution politique. Il multiplie les contacts diplomatiques avec l'Afrique, mais ses tentatives piétinent, le temps passe et l'inquiétude monte. Il faut vous dire d'abord que nous avions été complètement coupés du monde. Les rebelles ont décidé de couper toutes les communications avec le reste du monde.
Et par conséquent, il ne nous était plus possible d'avoir de contact avec notre ministère ou avec notre ambassade ou avec n'importe qui à l'extérieur. Mais juste avant que nous ne soyons coupés du monde, j'ai reçu un télégramme de M. Spaak, notre ministre des Affaires étrangères, un télégramme vraiment génial. Il m'a dit vous allez vivre des moments extrêmement difficiles dans ces circonstances. Sachez que vos actes n'ont aucune valeur politique et que vous êtes autorisé à faire tout ce que vous pouvez imaginer pour protéger vos compatriotes. Donc ça voulait dire blanc-seing, vous pouvez faire n'importe quoi, vous serez couvert. Et ça a été un atout considérable pour moi. Et c'est quelque chose d'assez rare. Parce que ça veut dire qu'un ministre estime que la mission qu'il a confiée à quelqu'un est à ce point importante qu'elle prime sur les embêtements que lui risque d'avoir en fonction des prises de position que son émissaire a prises. C'est ça que ça veut dire. C'est pas lui donner carte blanche, c'est lui dire ce que vous estimez utile de faire pour la mission principale qui est la vôtre, qui consiste à protéger ces personnes, ce que vous faites, nous vous couvrirons après. Beignet m'a dit, je trouve que le gouvernement belge devrait reconnaître le gouvernement de la République populaire de Stanleyville. Je lui ai dit, c'est du Congo, Stanleyville. J'ai dit, c'est une excellente idée. Je suis retourné au consulat et le lendemain, je suis revenu et je lui ai dit, j'ai une grande nouvelle, le gouvernement belge m'autorise à reconnaître la République populaire du Congo. Les rebelles savaient très bien que ce n'était pas vrai, puisque je n'avais aucune possibilité d'avoir des contacts avec le gouvernement belge. Mais Gbenyé a trouvé que c'était de son intérêt. Et donc, il a publié partout que le gouvernement belge les reconnaissait. Donc, j'ai commis là un crime diplomatique terrible de reconnaître motu proprio un gouvernement rebelle, mais j'étais autorisé à faire n'importe quoi pour protéger mes compatriotes. Durant ces semaines de captivité, Patrick Nothomb sera à la fois l'interlocuteur des rebelles et le bouclier des otages. Il ne manquera ni d'imagination ni d'audace pour protéger ses compagnons d'infortune. Il sera aidé dans sa tâche par certains d'entre eux, mais aussi par un allié technique. Si les Belges de Stan sont coupés du monde et même du reste du Congo, dans la ville par contre, le téléphone fonctionne parfaitement. Plus rien ne fonctionnait à Stanleyville, sauf une chose, le téléphone. Le téléphone fonctionnait en permanence. Et en permanence, on pouvait donc nous appeler dans l'appartement où je me trouvais, où je pouvais appeler les autres Belges. La règle était qu'aucun Belge ne devait passer une nuit en prison parce qu'on, pendant la nuit, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Il aurait très bien pu être tué par un Simba ivre. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fin de compte, on a directement commencé à manquer de vivres et de produits, étant donné que plus aucun ravitaillement n'arrivait de Léopoldville, et tous les camions ayant été réquisitionnés par les rebelles, il n'y avait plus aucun ravitaillement venant de l'intérieur du pays sur Stanleyville. L'économie s'est écroulée. Voilà. En fait, il faut dire que Stan dépend, au point de vue alimentation, entièrement de l'extérieur. Il ne produit pas suffisamment sur son propre territoire. Oui. Donc directement les pénuries se sont fait jour, quoi. Pendant ce temps, les rebelles continuent d'avancer à l'ouest et au nord-est. Le 4 septembre, ils sont à Ikela et quelques jours plus tard à Buende. À l'horizon se profile leur cible principale, la capitale, Léopoldville. Au nord-est, les cités de police et Watsa sont déjà sous leur contrôle. Là aussi, il y a une communauté belge dont de nombreux religieux. La plupart ont décidé de rester sur place. À Watsa, c'est le cas des sœurs dominicaines. Ah, nous avions décidé que ne resterions là-bas. Nous avions pris un simple, nous avions prié et nous avions vu ce qui se passait autre part. On a dit, nous allons rester ici. Et nous sommes restés là-bas. Et qu'est-ce que vous faisiez sur place? J'étais à l'infirmière à la maternité, à la consultation de nourrissons. Donc je connaissais beaucoup toutes les femmes qui avaient des enfants, etc. Donc vous étiez totalement intégrée à la population là-bas sur place? Oui, tout à fait. Le matin, on partait à son travail, on revenait pour dîner, puis on retournait l'après-midi, etc. Et on allait la nuit quand on vous appelait à la maternité.
Quel souvenir est-ce que vous gardez de la vie quotidienne à Ouassa avant l'arrivée des rebelles? C'était un endroit où il faisait bon vivre pour vous? Ah, on était très bien. À Bruxelles, on continue de penser que la rébellion des Simba est une affaire interne. La Belgique ne doit donc pas s'en mêler. Cependant, impossible de rester indifférent à ce qui se passe dans notre ancienne colonie. En cette année 1964, 4 ans après l'indépendance, 40 000 Belges y sont encore implantés. En cas d'effondrement du pouvoir central congolais, leur sort serait incertain. Il faut dès lors envisager toutes les hypothèses, y compris celle de la force. Un colonel belge, Frédéric Van de Waal, est contacté par le ministère des Affaires étrangères. On lui demandait d'organiser une force armée congolaise susceptible de reprendre les territoires qu'il ne contrôlait plus. Parce qu'on a l'impression que la Belgique doit être là sans y être à ce moment-là. C'est absolument ça. C'est-à-dire que la Belgique ne peut pas apparaître comme étant l'opérateur d'une mission qui ne peut être qu'une mission congolaise. Frédéric Van de Waal est l'homme de la situation. Conseiller personnel du Premier ministre Tshombe, il a été chef de la sûreté avant l'indépendance. Il connaît donc parfaitement le Congo. Fin stratège en terrain hostile, il est aussi reconnu pour son sens du commandement. Le colonel belge se met donc au service du gouvernement central congolais pour mettre au point un dispositif anti-rébellion. Il demande le recrutement de volontaires spéciaux, entendez, des mercenaires. Nous avons pensé qu'il était mieux que ce soit un Belge en qui on avait confiance, auquel Tshombe confierait cette mission, que d'avoir je ne sais pas quel aventurier généralement quelconque, qui allait être complètement peu soucieux de ce qui arrivait à la population, qu'on pouvait tirer à tort et travers et faire n'importe quoi. Donc c'est un choix difficile et qu'on a fait pour ça. Mais il y a des mercenaires belges, malgré tout. Il y a des mercenaires belges, effectivement, qui sont là, qui c'était avant la loi qui a été prise en Belgique, rendant condamnables des Belges qui s'engagent comme mercenaires. Donc ils étaient en droit de le faire. Dans quelles circonstances, dans quelles conditions s'est fait votre recrutement? Ben ça, c'était très secret. Hein. C'était toujours par personne interposée. On connaissait quelqu'un et alors, bon, on s'est adressé à cette personne. Et lui, il nous a obtenu nos billets d'avion. Il nous a donné nos billets d'avion et deux jours après, on était à Léopoldville. Donc, pourquoi était-ce très secret? Ah, parce que le gouvernement belge ne voulait pas que ça se sache, évidemment. Mais il savait très bien qu'on allait partir, qu'il fallait des mercenaires. Il demandait qu'une chose, c'est qu'il y en ait, parce que s'il n'y avait pas eu de mercenaires, ce serait nos miliciens qui seraient partis. Hein. En septembre, le dispositif anti-rébellion est au point. Il prend la forme d'une brigade mécanisée. On y trouve des mercenaires belges, mais aussi français, anglais et sud-africains, d'anciens gendarmes katangais et des troupes gouvernementales congolaises. Le tout encadré par une cinquantaine de conseillers militaires belges, ce cortège hétéroclite est rapidement rebaptisé Omegang. C'est Van de Waal sur la terrasse du Regina à Léopoldville qui nous a bien dit, voilà, il faut organiser un cortège avec renfort de blindés, d'avions, de mouvements de véhicules et de troupes, pour faire quelque chose d'assez volumineux, un peu dans le style de l'homme gang de Bruxelles. C'est ainsi que le nom de l'homme gang est resté aux colonnes. L'idée étant que c'est une guerre civile, le but n'est pas de faire une bataille d'anéantissement et de tuer les rebelles, mais bien de leur laisser une porte de sortie, de leur faire peur et qu'ils décampent. La mission de l'homme gang est même encore plus claire, reconquérir tout l'est du Congo au profit du pouvoir central. Début novembre, les colonnes mécanisées prennent le départ à Kamina. Leur principal objectif, Stanleyville, 1200 km à parcourir en passant par Kindu et Lubutu. Dans cette région hostile, le trajet s'annonce pénible et périlleux. Mais au fil des kilomètres, cité après cité, des centaines d'otages sont libérés. Le 5 novembre, l'homme gang reprend la ville de Kindu. Là, un jeune journaliste de la télévision belge se joint à l'aventure. Comment est-ce que vous avez réussi à vous y joindre, justement ?
Alors j'ai commencé par aller à Kindu, et puis là, il n'y avait plus rien, il n'y a plus un Européen, mais la ville était libérée, et donc on a essayé de se loger dans un bureau de la Sabena où restaient quelques matelas, et puis on a attendu. Et puis j'ai négocié finalement avec celui qui était responsable de la colonne, un Belge, le colonel Van de Waal, qui m'a dit, moi, c'est pas possible, je peux pas vous prendre comme ça, à moins que vous me fassiez quelque chose. Et donc il me manque un chauffeur pour mon petit camion d'intendance, pour l'état-major. Bon, ben, moi je suis votre chauffeur, si je peux avoir une place pour mon caméraman et une autre pour le preneur de son. Et voilà, c'est comme ça que j'ai pu me joindre, que toute l'équipe a pu se joindre à eux. Je crois que les Français avaient fait la même chose d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on est parti de Kindu vers Stan. Et alors il y avait quelques mercenaires belges, mais il y avait surtout des mercenaires français, des anciens d'Indochine, des anciens d'Algérie. 61 d'Algérie. Il y avait beaucoup de Sud-Africains qui ne pouvaient pas tuer des Noirs chez eux. Alors là, ils étaient payés pour venir en tuer au Congo. Mais est-ce que vous avez assisté à des dérapages ou autres ? Je n'ai pas assisté vraiment à des dérapages. Les dérapages étaient surtout produits à Kindu. C'était l'époque tout de même où certains mercenaires, dès qu'ils libéraient une ville, ils commençaient par libérer la banque. Voilà, ça, c'est le genre de gars avec lequel il fallait vivre. Oui, il y avait des Belges, il y avait même une Belge, une femme, d'Elisabethville, à l'époque, à Lubumbashi maintenant, qui s'était enrôlée aussi dans la colonne comme infirmière, et que j'ai interviewée à l'époque. Madame, vous êtes la seule femme de cette colonne, de cette expédition vers Stanleyville. Pourquoi êtes-vous là ? Pour aider tous ceux qui sont blessés. Vous êtes infirmière ? Oui, monsieur. Vous étiez infirmière en Belgique ? Non, monsieur. J'ai fait mes cours ici, en Afrique. Et vous êtes portée volontaire pour cette expédition ? Oui, monsieur. Pour quelle raison ? Parce que j'aime l'Afrique et en même temps, j'aime secourir les gens. Et d'autant plus les Européens qui sont ici. Pourquoi d'autant plus les Européens ? Parce que les Noirs n'en valent pas la peine. Et puis, il y avait tout de même quelques détachements de l'armée nationale congolaise. Qu'il valait mieux ne pas avoir derrière soi. Parce que quand il y avait une embuscade, il tirait, mais un peu n'importe où pour se protéger, ce qui n'était pas drôle, évidemment, parce qu'on ne savait jamais où ils allaient tirer. Plus la brigade avance, plus les rebelles perdent du terrain. Face aux mercenaires et aux officiers belges, ils ne peuvent plus jouer l'intimidation avec leur prétendue invulnérabilité. Mais ces premiers revers arrivent rapidement aux oreilles des Simba postés à Stan. Et ils savent que parmi les responsables de leur déroute, il y a des Blancs. Alors à partir de ce moment-là, le mythe, l'idée que nous étions des neutres amis reconnaissant la République populaire du Congo, en a pris un fameux coup. Et, vous avez vraiment senti le vent tourner ? J'ai senti le vent tourner très rapidement. Mes contacts avec Beignet et avec les chefs rebelles sont devenus de plus en plus difficiles, de plus en plus orageux. Alors étant autorisé à faire n'importe quoi pour protéger mes compatriotes, j'utilisais le système du dernier message à M. Spaak. Et alors on m'amenait à la radio des rebelles à Stanleyville. C'était le seul endroit où l'on pouvait communiquer avec l'extérieur. Et là, j'écrivais un discours délirant où je traitais mon ministre de criminel et lui demandais de changer sa politique criminelle, etc. Et j'étais autorisé à lire, après censure, à lire ces messages et avec un revolver dans le cou pour le cas où j'aurais fait un changement dans le texte. « Cessez votre politique criminelle pour moi », cela voulait dire « Venez à notre secours ». Donc là, Monsieur Spaak avait le choix entre deux solutions, ou bien croire que j'étais devenu complètement fou, ou bien se rendre compte que la situation était vraiment devenue très dangereuse. Il a heureusement choisi la deuxième proposition. Les choses s'enveniment encore. Le 27 octobre, le général rebelle Olenga déclare aux otages que ni plus ni moins une bombe atomique, de fabrication belge s'il vous plaît, a été larguée sur ses troupes dans le Nord Kivu. De rage, il ordonne l'arrestation de 300 ressortissants belges à Stan. Hommes, femmes et enfants sont regroupés à l'hôtel des chutes. Les pires scénarios deviennent envisageables.
Il y a une camionnette qui est passée avec des militaires rebelles. Et ils nous ont fait descendre. Donc on est descendu, ils nous ont demandé de présenter nos papiers. On a présenté nos pièces d'identité. Donc moi, belge, allez hop, embarqué. Et ils procédaient de la même façon partout où ils passaient. On n'a rien pu prendre avec nous. Là, j'ai vu l'affolement de mes parents, nous aussi. Je me souviens d'une petite anecdote. Quand je suis rentrée dans la voiture dans laquelle ils nous ont emmenés, j'étais sous les genoux. Je pense que c'est les genoux de mon oncle, sur la place avant, la place passager avant. Et au moment de fermer la portière, clac, mes doigts sont coincés dans la portière. Je veux hurler. On me met tout de suite la main sur la bouche pour ne pas énerver les Simba qui nous prenaient, parce qu'ils étaient énervés à ce moment-là. J'ai le souvenir d'avoir pris conscience que c'était grave, l'heure était grave. Et on me retenait de pleurer. Donc, on apprend vite à se retenir de pleurer. Ensuite, on nous amène à l'hôtel des chutes, où là, tout le monde est là. Je vois des familles qui sont en pleurs, des familles qui se serrent dans les bras. Je vois à un moment donné, ils veulent séparer les hommes et les femmes. Mais ça, c'est affolant de voir qu'on n'arrache papa de la famille. On voit qu'ils veulent défaire des jeunes garçons qui doivent avoir une quinzaine d'années. Ils estiment qu'ils doivent partir avec les hommes. On voit des mères qui s'accrochent à leurs jeunes garçons. Voilà, il y a eu des moments violents à ce moment-là. Là, franchement, on se posait des questions. Que va-t-il se passer? Que va-t-on faire de nous? Monsieur Breton, consul général, est intervenu. Il était toujours là pour protéger les Belges. Il s'est toujours mis en avant. Il a reçu une gifle magistrale d'Olenga, en lui disant qu'il se taise. Bon, là, on a compris que... Ça va mal. Ça va mal. Donc, par groupe, on est parti dans différents camps militaires. Rien que les hommes. Rien que les hommes, mais parce que les femmes, ils ont resté à hauteur de sud. Elles sont restées. Environ 300 Belges sont donc séquestrés. Les hommes dans des camps, les femmes et les enfants à l'hôtel des chutes. Côté américain aussi, plusieurs diplomates en poste à Stanleyville sont emprisonnés. Les Simba sont particulièrement hostiles envers le docteur Carlson, un missionnaire qu'ils accusent d'être agent de la CIA. L'affaire fait grand bruit aux États-Unis dans une période où la campagne présidentielle bat son plein. Voici peut-être pour la Belgique un allié de poids. C'est dans cette atmosphère tendue que début novembre 64, Paul-Henri Spaak se rend à New York. Ses espoirs d'une solution diplomatique se sont envolés peu à peu. Il rencontre les autorités américaines et celles de l'ONU. Les Américains ne cachent pas leur volonté d'agir. Dans le plus grand secret, une opération belgo-américaine est décidée. Elle sera aéroportée. Les Américains fourniront les avions, une escadrille de C-130 conduite par le colonel Gradwell de l'US Air Force. Les Belges fourniront les hommes, des paracommandos emmenés par le colonel Charles Laurent. Et que nous demandait-on? On nous demandait d'aller libérer des otages qui se trouvaient à plus ou moins 10 000 kilomètres de la Belgique, au centre de l'Afrique, à Stanleyville, prisonniers de rebelles. Personne ne savait où étaient les otages, personne ne savait exactement où étaient les rebelles, sinon à Stanleyville ou dans la région. Autre difficulté, les critiques que pareille intervention pourrait déclencher sur la scène internationale. 4 ans après l'indépendance du Congo, la Belgique ne veut en aucun cas être accusée de néocolonialisme. 2 mots d'ordre donc, rapidité et discrétion. Chez nous, les 3 décideurs sont Théo Lefèvre, Premier ministre, Paul-Henri Spaak pour les affaires étrangères et P.O. Segers à la Défense nationale. Monsieur Spaak, après m'avoir serré la main, m'a simplement demandé, colonel, est-ce que vous réalisez pleinement combien votre mission est délicate compte tenu de l'opinion internationale? Surtout, pas de perte inutile parmi la population noire. Je lui ai répondu, monsieur le ministre, les parachutistes n'ont pas l'habitude de tirer sur des gens désarmés. Les paracommandos belges sont mis en état d'alerte dès le 13 novembre. Pendant ce temps, au Congo, la colonne de l'Omegang continue sa progression.
Les dangers ne viennent pas seulement des rebelles, les obstacles sont aussi naturels. La brigade les franchit sans encombre, comme ici la rivière Loa, à 200 km au sud de Stanleyville. La résistance est faible face à ces colonnes mécanisées. Mais de temps à autre, les Simba tentent de créer des embuscades. On faisait précéder les colonnes d'un strafing aérien. Et c'est-à-dire, là, la moindre, on voyait le fût des troncs d'arbres, etc., en travers de la route, donc c'était une embuscade possible. On strafait un bon coup dedans, etc., et quand les colonnes passaient, c'était dans le mur. Alors, on avait une liaison sol-air avec les avions, et quand on tombait sur une résistance, on envoyait les avions qui lâchaient de roquettes, et puis c'était terminé. Les nombreux rebelles capturés sont, eux, livrés aux soldats de l'ANC. La vengeance est immédiate. Dernière étape pour l'homme gang, le trajet Lubutu-Stanleyville. Il se fera de nuit et donc sans appui aérien. La fièvre monte. Sur le chemin, la bataille fait rage. Il y a des victimes dans les deux camps. À vrai dire, j'ai eu à plusieurs reprises très peur. Parce que moi, je n'ai pas fait mon service militaire et je n'ai pas l'habitude d'être au milieu d'embuscades. D'autant que c'était souvent la nuit et que c'était des balles traçantes. Alors c'est très impressionnant, les balles traçantes. Parce qu'on voit quand ça part, mais on ne voit pas du tout où ça va arriver. Et bon, et alors, je me souviens d'un brave adjudant qui est venu m'apporter, buvait ça, et j'ai bu, c'était du whisky. Après ça, ça allait mieux, je dois dire. J'ai compris pourquoi, dans toutes les guerres, avant un assaut, on offre joyeusement quelque chose à boire à ceux qui vont lancer l'assaut. On a des images de vous, hein, au volant, on voit que malgré tout, vous n'emmenez pas large. Mais c'est vrai que je ne riais pas, non ? Ça n'est pas drôle, je ne vous conseille pas ce genre de promenade. Dans les camps rebelles de Stanleyville, où ils sont toujours retenus prisonniers, les otages masculins ont peur. Et soif. Ils doivent leur survie au courage de certains Congolais. C'est à ce moment-là que j'ai acheté des cigarettes. Et il y avait plusieurs barrages. Je venais là et puis j'ai donné un paquet de cigarettes. Il m'a fait passer. Donc pour pouvoir aller voir votre mari, vous deviez négocier, corrompre les gardes. Ah oui. Et alors... J'ai dit, j'ai amené à manger. Il dit, on n'a pas faim, mais on a soif. Alors, j'ai pris de l'eau, je suis venue. C'était à ce moment-là qui était terrible pour moi. Quand on a ouvert la porte, tu as vu tous ces hommes-là qui sont sortis, on dirait les vaches qui n'ont plus bu, je ne sais pas combien de temps, tous les têtes dans l'eau, tellement qu'ils avaient soif. Le sort des femmes et des enfants enfermés à l'hôtel des Chutes n'est pas beaucoup plus enviable. Notre famille était enfermée, nous étions combien dans une chambre de deux personnes, nous étions trois, six, sept. Nous étions sept personnes dans cette chambre-là, c'était notre famille, en tout cas les femmes et les enfants de notre famille. Mais il arrivait qu'on puisse sortir de cette chambre et du coup on courait, on descendait les étages suivants, rencontrer d'autres enfants. Et de temps en temps, nous rencontrions un Simba. J'ai le souvenir d'un Simba qui me paraissait très laid, très menaçant, très vieux, des yeux très globuleux, avec un regard vraiment menaçant. Et quand on courait dans les couloirs, il nous faisait le signe comme ça. Donc, on a compris. J'ai compris. Je suis sûre que j'ai compris. Est-ce que ça va tout de suite rentrer dans les chambres et tétaniser de peur et ne plus bouger? Vous aviez beaucoup de contacts avec les autres familles? Maman, oui, parce que maman circulait de chambre en chambre et elle s'était proposée pour être un peu secouriste auprès des autres familles. C'est comme ça que je sais qu'elle a apporté de l'aide morale et plus, je n'en sais rien, à des femmes qui avaient été violées dans l'hôtel.
J'ai le souvenir d'avoir entendu crier, d'avoir entendu pleurer des femmes. Et je demandais pourquoi. Et bon, c'est après que j'ai su que c'était des viols. À ce moment-là, maman disait, elles ont été maltraitées, voilà. Tous les Belges se sont conduits de façon extrêmement courageuse et cela faisait partie de l'instinct de conservation parce qu'on s'aperçoit dans des circonstances pareilles qu'il est beaucoup plus sûr d'être courageux que d'être lâche. Si vous êtes lâche, vous risquez beaucoup plus de mourir que si vous êtes courageux. Mais on semble se diriger vers une issue dramatique. Début novembre, les Simba reçoivent de leur chef un télégramme sans équivoque. Américains et Belges doivent être gardés en lieu sûr. Stop. En cas de bombardement en région, exterminez-les tous, sans donner d'explication. Signé Général Olenga. Le cauchemar des otages, qui dure déjà depuis plus de 3 mois, atteint son paroxysme. D'ultimes tentatives diplomatiques ont lieu jusqu'au 22 novembre, en vain. Il n'y a plus de temps à perdre. Les paracommandos belges sont prêts, les C-130 américains aussi. Et alors, ce qui est remarquable, c'est qu'au fond, le 1er bataillon parachutiste a été mis sur pied de guerre en un jour. En 24 heures, on était prêts. Tout le monde était prêt. Et à ce moment-là, vous posez des questions? Et alors, non, on ne savait toujours rien. On ne savait toujours rien. Non. Alors, nous étions consignés, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas téléphoner, on ne pouvait pas sortir, on ne pouvait pas écrire, on ne pouvait pas recevoir de visite. Et le soir, il y a quoi, une quarantaine de camions qui sont arrivés de Louvain. Et nous sommes partis à Kleine-Bruegel. Vous savez, c'était fin novembre, il faisait noir, dans une petite pluie fine. On est arrivé là-bas et on a vu des avions qu'on n'avait jamais vus. C'était les premiers C-130. Donc c'était des avions énormes. Nous avions des vieux C-119 qui dataient de la guerre. Et ces avions étaient à l'aluminium frappés de l'étoile américaine. Et les C-130 américains étaient les bienvenus parce qu'ils avaient un rayon d'action qui permettait d'atteindre depuis la Belgique facilement nos objectifs, Kamina et Stanleyville. Le 17 novembre 64, 12 C-130 américains décollent de la base de Kleine-Bruegel en Campine. À leur bord, un bataillon de paras et une compagnie de commandos belges. Quelques heures plus tard, ils atterrissent à Ascension, un îlot perdu en plein Atlantique Sud. Parmi ces appelés, beaucoup sont très jeunes. Officiellement, ils participent à des manœuvres de l'OTAN. En réalité, ils s'apprêtent à mener la plus grande opération de sauvetage de notre histoire. L'opération Dragon Rouge est lancée. On atterrit à Ascension et là on découvre l'été, en fait, alors qu'on était en novembre dans l'hémisphère nord. Et là on fait du camping sur du sable rouge avec nos tentes. On passe le temps, les 2-3 jours où nous sommes restés là-bas, à découvrir les joies des self-service américains qui n'existaient pas encore en Belgique, sont arrivés quelques années après. Et puis certains se baignaient, d'autres, où tout le monde probablement vérifiait ses armes. Et alors les Américains étaient un peu inquiets parce qu'on ne s'entraînait pas. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'on sortait de 10 mois d'entraînement, qu'on était tout à fait prêts. On a aussi fait ce qu'on appelle le drill de saut du C-130. Alors de quoi s'agit-il? Eh bien, on ne sort pas d'un avion comme on sort d'un autre. Si on veut éviter des problèmes à l'ouverture du parachute, il faut sortir dans une certaine attitude. Donc on a dû apprendre à sortir de cet avion. On a passé du temps à faire ça. Et puis il y a eu les briefings, évidemment. Donc on nous a dit, mais voilà ce qui va se passer, c'est Stanleyville, voilà en gros le plan de la ville, voilà où on va sauter sur l'aérodrome, et puis il faudra se rendre au centre de la ville, etc. Le 22 novembre, les paracommandos sont transférés sur la base congolaise de Kamina. Ils n'y resteront que 2 jours. Le 23 au soir, la nouvelle tombe. Feu vert des autorités belges avec l'accord du gouvernement Tshombe. Le lendemain à l'aube, à 6h pile, ils sauteront sur Stanleyville, J-1. Et alors le major Min, qui était chef du premier bataillon de parachutistes, est monté sur un fût, sur une espèce de tonneau. Et alors il a harangué ses troupes et il a dit, écoutez, voilà, vous êtes des paras, vous allez pour sauver des gens, vous allez sauver des vies, je compte sur vous pour que vous remplissiez bien votre mission. Il a dit pour les paras, pipi pourra. C'était extraordinaire, il y avait une ambiance fantastique. Et puis on est parti vers les avions. Quand vous avez 60 moteurs qui tournent en même temps dans le ciel d'Afrique, qui est constellé d'étoiles, le ciel est noir, vous avez des étoiles, et vous avez ces longues colonnes de parachutistes dans la nuit qui avancent vers les avions dont les moteurs tournent, vous voyez les lumières, et vous installez dans l'avion, eh bien, il y a une atmosphère, on y va. Nous allions là, non pas pour faire la guerre, mais pour sauver des gens. Et ce choix
à déterminer la composition même de la force opérationnelle que nous prenions. Nous avons sacrifié toutes les armes lourdes au profit du nombre d'hommes. Et c'est ainsi que nous avons pu mettre 546 paracommandos dans les avions. Et la part d'inquiétude ici était grande, puisque nous allions sauver des gens et nous ne savions pas où ils étaient. On savait qu'ils étaient dans la région de Stan. Mais si, par exemple, les Simba les avaient évacués la veille de notre saut, ils pouvaient les exterminer à 10 km de Stan dans la forêt, et nous n'aurions jamais pu rentrer à Bruxelles et expliquer que nous n'avions trouvé personne. Le 20 novembre, nous avons été sortis de prison. Pourquoi ? Parce que Jomo Kenyatta, qui était le président du Kenya et qui était un vieux sage de l'Afrique à l'époque, Jomo Kenyatta exigeait des rebelles qu'ils libèrent leurs otages. Egbenye disait « Je ne peux pas libérer les otages, mais je puis vous assurer, Monsieur Kenyatta, que ces otages sont en bonne santé et qu'ils vivent une vie de rêve. » Alors Kenyatta a dit « Eh bien, je veux bien vous croire, mais je viens vérifier sur place. » Alors Egbenye était terrorisé et nous a fait tous sortir de prison et on a mis tous les otages qui étaient encore en prison, on nous a mis dans un hôtel Victoria, c'était un appart-hôtel où il y avait plusieurs appartements pour des Belges de passage. Et nous étions parqués à 10 par appartement, c'était très confortable. On nous a obligés à nous raser, on nous a obligés à nous laver, à redevenir présentables pour que Egbenye puisse présenter à Kenyatta des otages en bonne santé et heureux de vivre dans son régime. Voilà, je me souviens qu'à dans cette chambre-là, il fallait garder les tentures fermées. C'était une chambre qui devait rester dans la pénombre. Je ne sais pas pourquoi, mais je me souviens que ces tentures étaient perpétuellement fermées. Et il m'a semblé que l'ambiance était plus détendue. Mais est-ce que c'est parce que moi, petite fille, j'avais retrouvé papa et les oncles, ça paraissait nettement plus rassurant aussi.